Salut foodies, today we are in Romans-sur-Isère to discover bakery and pastry specialties of Drôme. And for that, we are going to meet Jean-Charles, who is the owner of Maison Pascalis, which is one of the oldest bakery of this city, Romans-sur-Isère. Maison Pascalis was created in 1892, and Jean-Charles is the fourth generation of baker of this family. So he's going to introduce three specialties. So let me show the specialties, and then Jean-Charles will explain you more in detail the specialties. So let's start with the pogne, which is this big brioche. And then we have the Saint-Genix, which is also a big brioche with some red candy inside. And let's finish with the Suisse, with more specialty from Valence City. But Jean-Charles is also going to explain a bit more about this specialty. So let's Jean-Charles explain more in detail what is the pogne. Alors la pogne, c'est un produit qui se faisait qu'à une période, à la période de Pâques. Pourquoi? Parce qu'avant Pâques, il y avait 40 jours de carême. Et pendant ces 40 jours de carême, on ne mangeait pas de viande, on ne mangeait pas d'œufs. Et à partir du jour de Pâques, la personne qui fabriquait le pain rajoutait dans sa pâte à pain des œufs, du sucre, du beurre et parfumait à l'eau de fleur d'oranger. Et au lieu de faire un pain en boule, puisqu'à cette époque-là c'était des pains qui étaient en boule, bien pour la fête de Pâques, on a fait des pognes, du pain de fête en forme de couronne. Et cette couronne, on lui a donné des coups de lame sur le dessus, qui font que à chaque angle ça fait des petits pics qui rappellent la couronne du Christ. So then Jean-Charles is going to explain what is exactly the Saint-Genix with this big brioche with the red candy inside. Alors, il faut savoir que l'origine du Saint-Genix, de ce nom-là, c'est Saint-Genix-sur-Guiers, qui est un petit village qui se trouve en Savoie. Les boulangers de Romains dans les années 50, après-guerre, se sont dit, mais tiens, si dans notre pâte à pogne on rajoutait des pralines, on pourrait faire un produit différent. Et c'est comme ça qu'on a créé le Saint-Genix. Ils ont décidé de l'appeler le Saint-Genix comme il se faisait à Saint-Genix-sur-Guiers. C'est pas une pâte à brioche, c'est une pâte à pogne. La différence, c'est une fermentation plus longue et c'est aussi qu'elle est parfumée à l'eau de fleur d'oranger. And let's finish with the specialty, le Suisse, who is more like, as I told you, like a specialty of Valence. But Jean-Charles is also going to explain a bit more about these specialties. Là, la pâte à Suisse, c'est une pâte brisée avec de l'écorce d'orange à l'intérieur. L'écorce d'orange, on met de la pâte d'orange aussi et ça est en forme de Suisse, mais c'est un produit qui se conserve beaucoup plus longtemps. So now let's taste like some specialties. We can like taste two of them, which is the pogne and the Saint-Genix. So let's start with the pogne, with like the big brioche. Yeah. It's really good, like, because like you have all the taste, and as Jean-Charles told you, there is the signature ingredients, which is really like the orange flower or orange blossom, which is really, really nice. And then we have the Saint-Genix with the big brioche with the red candy inside, and let's try. That's really crispy because in the red candy, it's like a mix with almond and sugar syrup, and they add some red color inside. So it's really crispy because like you have all the pieces of almond inside, and that's so good. So now you know all about bakery and pastry specialties of Drôme and Romans-sur-Isère. So you have all the detail of the recipes and the addresses of the different shops of Maison Pascalis on my blog, bonappetitfoodies.com. So you can visit the shop, they have a special museum dedicated to the pogne. So don't forget, if you are traveling like in Drôme, close to Valence in Romans-sur-Isère, to visit this museum. Don't forget to like my Facebook page and to subscribe to my YouTube channel, and I see you really soon for more videos on Bon Appétit Foodies.